Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Quatrième épisode de la série à succès. Jean Bloch me censure le chenapan. Sacré chenapan. Sacré pouille. Une vidéo de mon ancienne chaîne lui a vraiment pas plu. Elle avait fait quelques 20 000 vues, ce qui n'est pas mal pour un tout petit youtubeur comme moi. J'y relevais ce que disait Jean Bloch dans sa vidéo, le New Age et le diable. Datant du 23 août 2018. C'était une époque où tous les éveilleurs et lanceurs d'alerte s'en donnaient à cœur joie sur la rentrée des écoles et la loi Schiappa. Ils annonçaient que le Rubicon était franchi, que l'on allait formater les enfants à devenir des objets sexuels, parler de pédophilie, etc. Et puis Jean Bloch y a participé allègrement à donner ce genre d'informations. Et dans cette vidéo qu'il nous donne, il dit même que ce système est voulu et organisé par la franc-maçonnerie qui arrive enfin à sa fin. Une franc-maçonnerie qui est en fait une organisation qui a pactisé avec le diable. Et pour illustrer son propos, il fit référence à 6 minutes 45 de sa vidéo à la réédition d'un livre, Le paladisme, culte de Satan-Lucifer dans les triangles maçonniques. Un livre écrit par Domenico Margiotta en 1995. Il utilise cet ouvrage comme argument d'autorité pour servir son propos, qui se résume donc en ces quelques mots: la franc-maçonnerie est satanique et elle domine le monde. Alors, dans la vidéo que j'ai faite, du coup, je reprenais son argument et son exemple. Voici ce que je disais. Domenico Margiotta se paraît de nombreux titres maçonniques. C'était un très étrange personnage. Il se disait ex-secrétaire de la loge Savonarola de Florence, ex-vénérable de la loge Giordano Bruno de Palmi, ex-souverain grand inspecteur général 33e degré du rite écossais ancien et accepté, ex-souverain prince de l'ordre 33e, 90e et 95e degré du rite, de Memphis-Misraïm, ex-membre effectif du souverain sanctuaire de l'ordre oriental de Memphis et Misraïm, de Naples, ex-inspecteur des ateliers misraïmites des Calabres et de la Sicile, ex-membre d'honneur du Grand Orient national d'Haïti et son garant d'amitié près du souverain sanctuaire de Naples, ex-membre actif du suprême conseil fédéral de Naples, rite écossais ancien et accepté, ex-inspecteur général de toutes les loges maçonniques des Trois Calabres, ex-grand maître ad vitam aeternam de l'ordre maçonnique oriental de Misraïm ou d'Égypte, 90e degré, à Paris, ex-commandeur de l'ordre des chevaliers défenseurs de la maçonnerie universelle, ex-membre d'honneur ad vitam du suprême conseil général de la fédération italienne à Palerme. Ex-inspecteur permanent et souverain, délégué au Grand Directoire central de Naples pour l'Europe, haute maçonnerie universelle. Ah, voilà tous les titres dont il se paraît. Il avait rencontré un jour un évêque, qui était aussi un auteur anti-maçonnique, et cet évêque lui ouvrit les yeux et le ramena au catholicisme, alléluia. C'est alors qu'il se décida à écrire ce fameux livre sur le paladisme et la franc-maçonnerie sataniste, auquel fait référence Jean Bloch. Or, on sait que Margiotta s'est inspiré de la seule personne qui n'ait jamais parlé de paladisme, Léo Taxil, de son vrai nom Gabriel Jogan Pagès, un Marseillais, un Français ayant vécu à la fin du XIXe siècle et s'étant fait connaître en France, puis dans toute l'Europe, pour un livre publié sous un autre pseudonyme, celui du docteur Bataille. Un livre dont le titre est Le diable au XIXe siècle, et qui avait pour but de faire un état des lieux de la franc-maçonnerie qu'il décrivait comme liée au diable, et dont l'élite se retrouvait dans une confrérie secrète ayant pour culte le paladisme, c'est-à-dire l'adoration de Satan. Léo Taxil fut lui-même anticlérical, et il fut excommunié, puis à la rencontre d'un bon chrétien, ça le fit revenir au catholicisme. Il fut absous par le pape Léon XIII, qui le reçut à Rome, et à qui il expliqua les méfaits de la franc-maçonnerie. Dans son fameux livre, Le diable au XIXe siècle,
Il y a un témoignage qui est très important, celui d'une certaine Diane Vaughan, une Américaine proche du fameux Albert Pike. Et cette Diane Vaughan était aussi haute dignitaire luciférienne. Et donc ce témoignage permit à Léo Taxil de dénoncer la conspiration maçonnique. Il fut célèbre pour cela, très célèbre. Et la célébrité commença à attirer les critiques sérieuses. Parce que celles-ci furent de plus en plus pressantes, il décida de présenter Diana Vaughan au public le 19 avril 1987 à la Société de géographie à Paris. Devant un parterre de curieux, de francs-maçons, d'anti-francs-maçons, de catholiques intégristes et de journalistes, il ne présenta pas Madame Vaughan, mais par contre il avoua que le paladisme était une mystification, que ça n'existait pas, qu'il l'avait inventé comme il avait créé de toutes pièces cette Diane Vaughan qui n'avait jamais existé. Il qualifia même son acte de canular. Au moment de quitter la salle, il dut fuir par une porte dérobée accompagné de policiers tant il se fit des ennemis de tous les bords. C'est la fameuse affaire Léo Taxil. Puis en plus, quand on connaît le personnage, on sait que ce n'était pas son premier canular. Il était expert dans le domaine. Il fit croire aux Marseillais que le vieux port était infesté de requins, ou il fit croire aussi que aux Suisses que dans le lac Léman se trouvait une ville sous-marine. Bref, un professionnel de l'arnaque en masse. Le plus fou dans cette histoire de Margiotta, c'est que Jean Bloch, dans sa vidéo, annonce qu'il se veut plus précis, montrant des arguments plus fouillés avec des extraits de ce bouquin de Margiotta. Il prévoit cela dans la publication de son prochain bouquin, Le Pandora 5, qui est sorti depuis. Le paladisme étant une invention, ce qui est acquis, l'exemple d'autorité présenté par Jean Bloch ne vaut plus rien. Je concluais donc dans la première partie de ma vidéo, qui fut censurée, que Jean Bloch était soit un ignare, pour ne pas connaître cette histoire, soit un manipulateur. Mais je ne m'arrêtais pas là et j'enchaînais sur une seconde partie qui, je suppose, fut violente pour lui. J'expliquais qu'en plus de ce fake news, finalement, à l'ancienne, il s'avère que le prophète dont il a épousé la religion, c'est-à-dire, vous le savez maintenant, Rudolf Steiner, fondateur de l'anthroposophie, Rudolf Steiner fut lui-même franc-maçon, ayant même dirigé une loge de rite Memphis Misraïm à Berlin, juste avant qu'il fonde sa religion. Et j'en amenais quelques preuves. Et je concluais ainsi à nouveau la vidéo, soit Jean Bloch est un ignare, soit il a raison et alors son prophète est un sataniste, soit il manipule les gens. J'ai eu droit à un simili de réponse, encore une fois des attaques ad hominem, surtout que voilà, apparemment, je ne comprenais rien, j'étais un ignare, et en plus, j'avais piqué mes infos sur Rudolf Steiner dans la franc-maçonnerie chez Wikipédia. Donc, forcément, moi qui me cachais dans le noir et qui allais puiser chez Wikipédia, on ne pouvait pas me prendre au sérieux. C'était une réponse qui tenait en tout et pour tout en 1 minute 50. Et surtout, sa meilleure manière de me faire taire n'a pas été par l'argument, mais par la censure. Je suis allé vérifier sur Wikipédia et effectivement, on y parle sur quelques lignes de l'appartenance de Steiner à la franc-maçonnerie. Mais je vais décevoir Mr. Jean Bloch, c'est pas là que j'y ai pris mes informations. Il est temps pour moi d'enfoncer le clou et de détailler l'histoire de l'appartenance de Steiner à la franc-maçonnerie que Jean Bloch dit sataniste, adoratrice du diable. Je dois avant tout vous expliquer ce que sont les loges de rite Memphis et Misraïm. C'est pas très compliqué, mais il faut être attentif. Ces deux loges font partie des rites ésotériques dits égyptiens, dont l'origine serait antérieure à la maçonnerie. On y trouve dans ce mouvement originel un syncrétisme de cabale, d'hermétisme platonicien, d'ésotérisme et de tradition chevaleresque. L'une des figures les plus marquantes étant Joseph Balsamo, dit Alessandro Cagliostro,
fondateur dans les années 1780 de la haute maçonnerie égyptienne, un personnage très connu. Suite aux expéditions de Napoléon au XIXe siècle, il y a eu un véritable engouement pour l'Égypte et ses mystères. Une loge, de rite Misraïm, qui veut dire Égypte en hébreu, est fondée en 1814 par les trois frères Bédarides, originaires du comtat venessin. Autant vous dire que je connais bien la chose puisque je suis moi-même habitant du Vaucluse. Une autre loge, dite de rite Memphis, a été créée par Jean-Étienne Marcognis de Nègre en 1838. Ce rite s'est implanté aux États-Unis, en Roumanie et en Égypte. En France, il fut dénoncé un temps d'ailleurs par les frères Bédarides. C'était la guerre entre les deux rites, le rite de Memphis et le rite de Misraïm. Et si au départ les deux rites ne sont pas reconnus par la franc-maçonnerie traditionnelle, ils vont finalement l'être sous l'égide du Grand Orient de France. Ils vont même être réunis. On parlera d'antique et primitif rite oriental de Memphis-Misraïm. Le premier grand chef de ce rite-là, nommé Grand Hiérophante, sera le fameux Garibaldi. J'espère que c'est clair jusque-là. Deux anciens rites qui se sont unifiés sous Garibaldi. Donc il faut que ce soit clair parce que je vais rajouter trois autres personnages importants dans cette histoire. John Yarker, un ex-maçon qui représentait les deux rites unifiés en Angleterre en 1872. Cet homme-là d'ailleurs a permis à Théodore Reuss, son deuxième personnage, donc un Allemand, d'installer ce rite dans son pays, en Allemagne, en 1902. Il en publia d'ailleurs les preuves dans son magazine privé Oriflamme au numéro de décembre 1902. Et enfin, le troisième personnage, Franz Hartmann, un ex-maçon très proche de Blavatsky, théosophiste, et qui a tenté de créer une loge rosicrucienne en Suisse. John Yarker fut proche aussi un temps de Madame Blavatsky et de sa société théosophique. Blavatsky meurt en 1891. Il y a guerre de succession et scission dans la société théosophique. Différents groupes se forment, mais ça c'est une autre histoire. La société théosophique sera finalement dirigée par Annie Besant. C'est là qu'on en vient à Rudolf Steiner. De 1900 à 1903, Rudolf Steiner donne des conférences pour la société théosophique. Et dès lors, une section allemande de la section théosophique est créée et il en est le secrétaire général. Le 10 mai 1904, Annie Besant le fait leader en Allemagne et en Autriche de la section ésotérique de la société théosophique. C'est une section qui est à l'intérieur de la société théosophique. C'est un groupe secret en lien avec les maîtres ascensionnés qui transmettent leur savoir. Rudolf Steiner, lui, va créer trois départements. L'école ésotérique de théosophie, dont il a la charge, qui lui a été donnée par ses supérieurs, et notamment par Annie Besant. Il va créer aussi le Misraïm Dienst, le service de Misraïm. Il va aussi tenter de rassembler un groupe de 12 élèves dont on ne sait rien. Une tentative qui fut d'ailleurs infructueuse. Alors, il y a eu des embrouilles entre Reuss et Hartmann, mais je passe rapidement sur ces détails. Yarker, lui, est débarqué d'Angleterre, et Reuss, en plus, est poursuivi par la justice pour quelque affaire. On voit qu'on a affaire là à des personnages qui sont très troubles. Le 24 novembre 1905, Rudolf Steiner et Marie von Sievers, une proche qui deviendra son épouse, verseront chacun 45 marks à Théodore Reuss pour leur adhésion à la loge de rite Memphis-Misraïm. Mais oui, ça s'achetait aussi, ça. Le lendemain, le 25 novembre 1905, Steiner écrit à sa future femme. Hier, vous avez vu combien il restait peu d'anciennes institutions ésotériques? Et du coup, il envisage, je cite, le médium de la religion. Voilà ce qu'il disait à sa femme. Enfin, sa future femme. Quelques jours après, le 30 novembre 1905, il écrit ceci à Maria. Je cite, Reuss n'est pas un homme digne de confiance. Nous devons composer avec un cadre uniquement et non plus avec des substances de la réalité. À l'heure actuelle, rien ne se cache derrière la chose, les puissances occultes se sont complètement retirées.
Fin de citation. Donc, on a une archive de lettres qui prouve bien qu'il faisait partie d'une loge et qu'en plus il se plaignait de cette loge parce que derrière tout le décorum, les grands noms, etc., il n'y avait aucune transmission au culte. Pour le dire trivialement, c'est du toc. Le 8 janvier 1906, Reuss signe un contrat avec Steiner, faisant de ce dernier un détenteur des 30e, 60e et 89e, pardon, degrés pour Berlin. Son service de Misraïm sera d'ailleurs appelé Mystica Eterna. Il en fera un livre. Maria von Sievers est alors autorisée à héberger dans sa loge des femmes. Sa loge devient donc loge mixte, et donc forcément irrégulière, c'est-à-dire non reconnue par la franc-maçonnerie traditionnelle. Dans l'Oriflamme de janvier à juin 1906, Reuss publie que Steiner est 33e degré et 95e degré de Berlin. Il monte donc en grade. Et il est aussi reconnu comme grand maître adjoint de Mystica Aeterna, même si cette sous-loge n'est pas diplômante et n'observe aucun mandat. Les rites ne sont célébrés que par Steiner, c'est lui-même qui a écrit ces rites, et ils sont destinés seulement aux membres de la société théosophique. D'ailleurs, la Mystica Aeterna fait le lien entre la loge Memphis Misraïm et la section ésotérique de la société théosophique. Le 24 juin 1906, Reuss jalouse Steiner, qui compte de plus en plus de membres dans sa Mystica Aeterna, et il essaye de le séparer du rite réunifié. Il veut se débarrasser d'un homme qui devient gênant. Le 15 août 1906, Steiner prend ses distances avec Reuss, déclarant que ce dernier ne jouait qu'un rôle symbolique, c'est-à-dire ce qu'il disait au départ, mais qu'il ne transmettait aucune réelle initiation. À chaque fois que Reuss demandera à rencontrer Steiner, à chaque fois qu'il lui écrira, celui-ci ne lui répondra pas. En 1907, à la Pentecôte, Steiner sépare l'école ésotérique dont il a la charge, avec la société théosophique, de Mystica Eterna. Il n'aime pas Annie Besant et les influences indiennes qu'elle apporte. Steiner voulait une section strictement occidentale, européenne. Le 15 juin 1907, Reuss envoie un édit à Steiner stipulant qu'il devient 33e degré, 90e et 96e degré à la loge de Berlin. Il monte encore en grade presque au plus haut niveau. Et Steiner devient grand maître indépendant du Grand Conseil général souverain du rite Misraïm en Allemagne, c'est-à-dire qu'il est le chef du rite Misraïm en Allemagne. La documentation porte ce titre d'ailleurs: Rite de maçonnerie de Memphis et Misraïm, Ordre des Templiers d'Orient et Rosicrucien ésotérique. Steiner continue d'ignorer Reuss, alors il sera débarqué du rite Memphis-Misraïm tout en douceur. De toute manière, un nouvel homme intéresse les Yarker et Reuss et Hartmann. Il s'agit d'un jeune homme qui vient de montrer le bout de son nez et qui est de nationalité anglaise. Il surprend, il choque, il intéresse, il s'agit d'Aleister Crowley. Et puis Steiner, lui, il attend le bon moment pour se dissocier définitivement de la société théosophique. Maintenant qu'il a quitté par la fuite et le silence la loge Memphis Misraïm. L'affaire Krishnamurti tombe à pic et à la Noël 1912, Rudolf Steiner fonde officiellement la société anthroposophique à Cologne. 2500 membres y adhèrent et seront bientôt rejoints par 1500 autres ayant quitté la société théosophique. Il dissoudra officiellement la Mystica Aeterna une dizaine d'années plus tard, en 1921, à l'occasion d'une visite à Oslo. Donc il apparaît bien, clairement, que Rudolf Steiner a été franc-maçon, qu'il a payé avec sa future femme pour ouvrir une patente et qu'il a négocié tout cela avec des personnes très peu recommandables. On suppose que son entrée dans la société théosophique et la maçonnerie avait pour but de se créer un réseau, un auditoire, en vue d'attirer des personnes qui seront membres de la société anthroposophique qu'il créera. D'où je tiens tout ça? En fait, la question ne se pose pas pour les spécialistes. Steiner a bien été franc-maçon à un niveau des plus élevés.
La question, jusqu'à peu, jusqu'à vraiment peu, était de savoir si Steiner avait été membre de l'Ordo Templis Orientis, l'OTO, qui sera créé par Royce et Hartmann et coopté très rapidement par Aleister Crowley. Et la réponse à cette question est non. Alors, d'où je tiens tout cela? De Wikipédia, Jean Bloch? Hein? Ou de... Ma tête, j'ai tout inventé, je suis un ignare et un mythomane? Ben non, que nenni. Je tiens tout cela des archives du Goetheanum. Le Goetheanum, c'est la Mecque, si j'ose dire, de l'anthroposophie, située à Dornach, en Suisse, près de Bâle. Donc je tiens tout cela des archives du Goetheanum et des travaux d'universitaires allemands, notamment un livre édité par le professeur Peter R. Koenig, Der große Theodor Reuss Reader, qu'on peut traduire en français, le grand lecteur de Theodor Reuss, édité en 97, 1997. On y trouve, comme vous le voyez à l'image, et je vous mettrai un lien sous le descriptif de la vidéo, enfin dans le descriptif de la vidéo, on y trouve les facsimilés des lettres entre Steiner, Reuss, Maria von Sievers, ainsi que le rite maçonnique écrit par Rudolf Steiner. Voilà, vous aurez toutes les preuves comme ça. Et toi aussi, Jean Bloch, tu pourras profiter de ces preuves. Ces données ont été officiellement validées lors d'une conférence donnée à l'université de Turin en 1998 pour la CESNUR, CESNUR, c'est-à-dire le Centre pour l'étude des nouvelles religions, association de grande réputation dans le milieu universitaire mondial. Les chefs de la société anthroposophique n'ont rien à trouver à y redire, puisqu'ils savent que Rudolf Steiner était franc-maçon. Et puis en plus, les archives proviennent directement de chez eux. Pour ma part, moi, je me suis tenu au courant de cette affaire en 2002, quand je m'y suis intéressé. Alors là, Philippe Alexandre Jean Bloch, si tu m'écoutes, et j'aimerais bien que si il ne m'écoute pas, eh bien on fasse en sorte qu'il m'écoute là, hein, qu'on lui partage cette vidéo, tu te trouves dans une drôle de situation quand même. Un, tu nous expliques que la franc-maçonnerie est sataniste par le biais d'un document qui est un faux. Et en plus, tu t'appuies dessus en disant que toutes les sources sont dans ton fameux livre qu'il faut acheter pour tout comprendre. Et deux, ton prophète, Rudolf Steiner, a fait partie de la franc-maçonnerie à un degré élevé. Et il a participé activement en créant même des rites qu'il était le seul à pouvoir célébrer. Alors, on se retrouve avec trois conclusions possibles. Eh oui. Premièrement, Jean Bloch est un ignare. Il n'a pas assez étudié le dossier. C'est ballot quand même, quand on prétend prouver que notre monde est soumis aux forces du mal, qu'on veut sauver les enfants, à coups de livres de 600 pages qu'on vend à 30, 35 euros, 40 euros, et de vidéos qu'on monétise, vidéos qu'on fait chaque jour et qu'on monétise. Deux, l'AFM, la franc-maçonnerie, est sataniste. Donc son prophète Rudolf Steiner, qui était franc-maçon, le serait aussi. Et donc forcément, Jean Bloch étant anthroposophe, serait sataniste. Mais en fait, mais oui, il nous avoue à demi-mot qu'il est sataniste. Et que seuls les initiés, comme moi, n'est-ce pas, nous pouvons le percevoir. Trois, il sait qu'il raconte des carabistouilles. Mais il surfe sur la vague du complotisme maçonnique pour son business. Ouais, parce qu'il y a de la maille à se faire. 4, allez, j'en rajoute une quatrième. Il sait qu'il raconte des carabistouilles, mais il y croit. C'est un malade. C'est une supposition, hein, je ne sais pas. Il y croit et en même temps, il sait en plus qu'il surfe sur la vague du complotisme maçonnique pour son business. La perversité, quoi. C'est de suppositions. Je dis pas que c'est ça, mais peut-être ça. Peut-être pas. D'ailleurs, c'est drôle parce que Margiotta et Taxil ne parlent pas que du complot maçonnique. Ben oui. Depuis Baruel, ils ne parlent pas que du complot maçonnique. Margiotta et Taxil parlent aussi du complot judéo. Enfin, ils parlent surtout du complot judéo-maçonnique. Et ils sont où les juifs dans ce que tu leur racontes? Pourquoi tu n'en parles pas? T'as honte? T'as honte de ça? Tu. T'assumes pas? Alors j'en arrive à dire, à porter une critique très lourde envers M. Jean Bloch. Ce n'est pas mon genre d'utiliser ce genre de qualificatif car je pèse mes mots. Mais il s'avère que j'ai démontré
sérieusement, de manière sourcée, argumentée, assez respectueuse pour le bonhomme finalement, qu'au final, Philippe-Alexandre Jean Bloch est un escroc de la pure espèce, un véritable escroc. Alors vous remarquerez que je n'ai pas parlé du lobby pharmaceutique, pas besoin, ni de l'industrie agroalimentaire, pas besoin, hein. Je ne parle que de ses positions fallacieuses, de ses arnaques. Parce que là, son arnaque est claire. Pour le dire trivialement, il prend les gens pour des cons. Il les prend par les sentiments. Il les prend par les sentiments et fait du fric avec. Et en même temps, il nourrit son ego. Ouais. C'est de la fumisterie. Alors le souci pour Jean Bloch, pour Philippe Alexandre Jean Bloch, c'est que j'en ai pas fini avec lui. Suite au prochain épisode. Et un conseil, si cette vidéo a du mal à passer, Jean Bloch, si tu la regardes, si il ne la regarde pas, j'aimerais qu'elle soit partagée celle-ci. Je demande rarement que mes vidéos soient partagées, mais j'aimerais que celle-ci soit partagée pour peut-être qu'il puisse l'écouter. Si tu l'écoutes et que ça a du mal à passer, là, je te conseille une chose, c'est de prendre ceci, je l'avais déjà conseillé à Patate, prends du Specta. Ça fait du bien. Allez, portez-vous bien. Et toi aussi, hein, Jean Bloch, prends du Specta. À bientôt.